La pression est à son comble à Londres. Ce samedi 6 mai, Charles III sera couronné en l'abbaye de Westminster, près de 8 mois après le décès de sa mère Elisabeth II. À 2 jours de l'historique cérémonie, le prince William et Kate Middleton se sont accordés une sortie dans le métro puis dans un pub de la capitale britannique. Sur la route, les héritiers du trône ont croisé de nombreux médias étrangers, dont BFM TV. Au micro de la chaîne française, l'aîné du monarque a livré son ressenti, quelques heures avant l'événement. Je vais bien, très bien, je croise les doigts pour que le temps reste comme il est. On a vraiment hâte, a-t-il ainsi confié, un brin anxieux. Il faut dire que les prévisions du May Office pour la journée de samedi sont loin d'être rassurantes. Le service national britannique de météorologie a en effet indiqué que des averses et de gros nuages seraient très présents dans le ciel de Londres pour le grand jour du souverain et de la reine Camilla. Si ces alertes étaient avérées et selon les informations du Télégraphe, le défilé aérien qui doit suivre le sacre du couple royal pourrait être annulé, 1 à 2 heures avant son coup d'envoi. Supérieur à supérieur à Charles III, de prince héritier à roi d'Angleterre, retour sur sa vie en image. Est-ce quel rôle occupera le prince William lors du couronnement? Si le prince de Galles est apparu anxieux face à la presse, ce jeudi, s'y est-il aussi parce qu'il tiendra un rôle important lors du couronnement de son père? Selon Hello Magazine, le frère du prince Harry devra placer ses mains dans celles de son père et lui faire une promesse, comme le prince Philippe l'avait fait pour la reine Elisabeth II lors de son sacre, le 2 juin 1953. Le père de George, Charlotte et Louis prononcera alors quelques mots, « Moi, William, prince de Galles, je vous promets ma loyauté ainsi que la foi et la vérité en tant que votre suzerain à vie. » Que Dieu me vienne en aide. Il a été dévoilé que le beau-frère de Meghan Markle sera le seul à faire cet hommage du sang royal. Crédit photo, agence.